Hello folks, as you can see, today's video is sponsored. Yes, that's a first. Today's video is sponsored by the Fox. So, yeah, as you can see, I have a magnificent The Force of Experience spread on my bed. Aujourd'hui, il s'agira de... d'essayer Donc aujourd'hui il s'agira de unpack ce qui s'est passé de mardi à jeudi. Je sais pas, je crois que ça s'est arrêté mardi, jeudi. Oh my gosh, je sais même pas ce que je dis. Bon, pour les deux ou trois qui ont loupé l'événement, il s'agissait en fait d'une sorte de procès par les candidats à l'élection présidentielle et deux autres qui demandaient une annulation partielle ou totale des élections à cause de certains actes observés qui sont tout à fait normaux, mais apparemment illégaux. I mean, who knew that fraud was illegal? I mean, that's... On tombe des nues, là. Est-ce que vous sentez la chaleur de octobre, là? Ou bien c'est moi seule? Genre, la chaleur, la vraie chaleur, bref. Alors bon, premièrement, le contentieux est passé en intégralité sur la CRTV, permettant à certains, à beaucoup, de redécouvrir cette illustre chaîne. Bon, en plus, elle avait l'exclusivité de l'événement, donc en termes de qualité, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix. On aurait dit des images de 1992. Non, mais non, je rigole. Mais il faut savoir apprécier quand les choses sont bien faites, donc bravo à la CRTV, ok? Les grandes audiences sont de courte durée. Nous avons découvert le Conseil constitutionnel, comment est-ce qu'il fonctionne, son but et ses membres. Et par nous, je veux bien évidemment dire moi. Donc ça s'est déroulé en trois jours, du mardi 16 octobre au jeudi 18 octobre. Donc on a commencé par la requête du professeur Kamto et de son avocatier. On a demandé au professeur Kamto de prendre un avocat. Il est venu avec l'avocatier. Please, please, stop with that joke. It's not even funny anymore. Sa première requête demandait à ce que certains membres du Conseil constitutionnel shiftent un peu, qu'ils dégagent. Parce qu'il serait impossible pour eux de rendre un jugement impartial vu leur appartenance au parti politique. Au pouvoir. On a commencé par Maître Akeremuna qui était très fâché et qui a parlé anglais pour la plupart du temps, et je suis sûre que pendant qu'il parlait, le président du Conseil constitutionnel, ce que lui il entendait, c'était... Ensuite, il y a d'autres avocats qui sont passés pour essayer d'étaler les arguments. Et on a fini par un beau discours du professeur Kamto, où il essaye d'appeler à la conscience du président du Conseil constitutionnel, monsieur Clément Atangana. On dit monsieur honorable, je sais pas comment on les appelle. En espérant que cette conscience soit dans la salle et non en train de jouer avec les créatures magiques du monde de Narnia. Anyway, rejected par défaut de qualité. En d'autres termes, ça signifie que toi, c'est qui ? Tu sors d'où? Ensuite, on a accueilli le dossier de monsieur Bertin Guissop. Il n'y avait personne d'autre pour lire le dossier en anglais. Le monsieur là ne savait clairement pas comment prononcer les mots anglais. Et alors, let me have my break. Il s'agit de Malta Guinness. Malta a refusé de me sponsoriser. Je me suis tournée vers la force de l'expérience. C'est votre faute. I am an example. Detained in the central prison Koningi, Yaoundé. Mr. Guissop wanted to cancel the elections in the Southwest and Northwest regions. Puis il a commencé avec un témoignage très émouvant. On a interdit sa femme ou sa mère d'entrer dans la tontine. On a bastonné ses proches. C'était vraiment terrible. Rejected. Tu n'as pas la compétence de ta compétence, Monsieur Guissop. Au fait, il n'avait pas d'avocat, il se représentait tout seul. C'était un peu triste, je vais avouer. Numéro 3, on a Monsieur Gabani Rigobert qui lui aussi demandait l'annulation des élections sur le territoire entier. Parce que fraude, parce que A, parce que B, parce que C, rejected. Parce que toi c'est qui? Again. Next case, il s'agissait du candidat Monsieur Libili Ngenge Cabral. Alors, il est important de noter qu'il n'était pas forcément présent. Bon, je veux dire, peut-être son esprit était dans la salle, mais physiquement, on ne l'a pas trouvé. Alors, lui aussi demandait une annulation totale des élections. Pourquoi? À cause de la fraude, à cause de la maltraitance des représentants des partis, à cause de la fraude, again.
Et son avocat, en fait, il est venu réveiller la salle. Il est venu parler, il est venu gronder, il est venu se faire entendre. Et il nous a sorti des citations très intéressantes. Moi, je suis un Bassa. Chez nous, on dit souvent que ce qui était au menu chez la poule était au menu chez le canard. Don't be careful. Votre tour arrive. Anyway, rejected. Pourquoi? Because you were not on time. You were not on time. It was 72 hours. Tu es venu à la 73e heure. Donc, désolé. Et s'il vous plaît, je tiens à préciser qu'à ce moment précis du procès, le match Cameroun contre Malawi vient tout juste de s'achever. Alors, dossier numéro 5, on revient au dossier de M. Maurice Kamto. Lui, maintenant, il demande une annulation partielle des élections sur 7 régions sur 10. Alors, le rapport disait, où sont les preuves? Où sont les preuves? Where is the evidence? Alors, Maître Akeremouna passe et il dit, la justice, ce n'est pas la ruse. Ok? It was a very beautiful speech. Rejected. Puis vint Maître Ndoki, the only woman in the whole bunch. Elle a dit, vous voulez des preuves? Je vais vous en donner des preuves. Elle a commencé à faroter les preuves. These are receipts, receipts, receipts. Tu veux voir les receipts? Ok, I have a receipt for you, bro. Nous n'avons pas de PV disponible. Nous avons un résultat sur un tableau qui n'a été signé par personne. Please, here is the evidence. Le candidat, Monsieur Paul Biya, a gagné au Nord-Ouest avec 115% des voix. Oui, c'est ce que nous appelons communément un excédent électoral. La loi le prévoit, votre honneur. L'article 395, alinéa 23 du 9 octobre 2018. Oui, c'est très récent, mais il faut vous mettre à jour, c'est pas de notre faute si vous n'êtes pas au courant. Et ensuite, au président du Conseil constitutionnel de poser cette illustre question. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a donné ces documents? Traduction. Who snitched? Monsieur Alain Foguet m'a donné les documents. Et à ce moment-là, la salle applaudit parce que c'était beaucoup d'émotions qui s'étaient accumulées jusqu'à ce niveau-là. Et c'était, il fallait laisser aller. Les photocopies que nous produisons. S'il y a une différence à ce moment-là, on saura de quel côté vient le mensonge. Now that the lawyers are asking for the original documents for comparison with the ones that they provided, since they were called liars. À présent, on va suspendre la session. Oh my gosh, how convenient! Alors, les avocats ont étalé leurs différents arguments. There is the Anglophone crisis. Rejected. Un candidat a utilisé les moyens de l'État pour sa campagne. Please, what do you mean by that? You're always, always stretching the truth. Oh my gosh. Abus de pouvoir du Minat. Il y a eu des votes multiples. Rejected. Certains bulletins du MRC étaient insuffisants dans les bureaux de vote. Rejected. Where is the proof? Elecam a refusé de retirer les bulletins de M. Akeremouna. Rejected. Le candidat M. Maurice Kamto a demandé une escorte pour se rendre au nord-ouest et au sud-ouest. Rejected. Wow. J'ai vu l'âge de certains d'entre vous, 78 ans. 6 ans. 78 plus 6, ça fera 84. Vous avez peur encore de quoi? Et ensuite, le professeur Kamto a fait un discours très beau, très lyrique, très émotionnel. C'était rejected. Alors, du côté de la défense, on a le DG de l'ECAM qui dit d'abord que... Il n'y a pas d'élection présidentielle partielle. Oh, really? L'article 132 du Code électoral est clair là-dessus. Le Conseil constitutionnel statue sur les requêtes en annulation partielle ou totale. En relation partielle au total. Ensuite, il y a eu une sorte de petit incident. Les avocats du professeur Maurice Kamto tenaient à répliquer à ce qui avait été dit pendant la défense. Et le président du Conseil constitutionnel nous sort que... On vous a supporté depuis 2 jours. Supporter vient du latin supportare, qui signifie écouter avec attention le plaidoyer d'autrui. Voici les PV, mon ami. PV 1, Paul Biya, 81%, Maurice Kamto, 5%. Voici les procès-verbaux et ils sont à la disposition de tout intéressé au niveau du greffe. Oh,
Ce n'est pas signé. How is that possible? Magistrat de son état, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne. I actually just changed my mind. See you tomorrow. This is suspended, okay? Délibéré demain à 18h. À 18h. How convenient every time. So this really felt like the Infinity War movie. People did not really want to watch the after credit scene, which in our case is Joshua's case. Even though it was excellent, he had great lawyers, he had a great case. He wanted to cancel the elections in the Southwest and Northwest regions. No, actually everywhere. He wanted to cancel on the whole territory because there were no elections in the Southwest and Northwest regions. Il nous a été révélé que Paris, c'est la 11e région du Cameroun. C'est la seule explication au phénomène Niat. They were also very respectful. I pray that exceptionally authorized the candidate to sit down. When it will be his turn to talk to you, he will come here. We've been standing since 2 days. Continuez. Il n'y a pas de question pour l'instant. Donc, en gros, ce procès, soit tu avais ta requête, mais elle était en retard, soit tu avais ta requête, elle était à l'heure, mais tu n'avais pas de preuves. Soit tu avais ta requête, tu étais à l'heure, tu avais des preuves, mais tu n'as pas d'autorité, toi c'est qui? Soit tu avais ta requête, tu étais à l'heure, tu avais des preuves, tu as l'autorité, mais hey, au Mali, on a organisé des élections présidentielles malgré la guerre, donc quitte. Sinon, les inscriptions sur les listes électorales commencent le 2 janvier 2019. Je dis ça, je ne dis pas rien.